Bonjour, bienvenue, bienvenue pour cet abécédaire d'Olivier Combes. Voilà, c'est moi, je me présente. Je suis sophrologue, thérapeute et j'accompagne les autres humains à se libérer de leurs peurs irraisonnées, de leurs blocages émotionnels, en travaillant sur les mémoires traumatiques inconscientes du cerveau reptilien, entre autres. Voilà. Et pourquoi je rigole? Parce que je pensais à la lettre d'aujourd'hui. La lettre d'aujourd'hui, c'est la lettre H. Alors, H. Quel mot j'ai trouvé pour H, quel mot m'est venu spontanément sur cette lettre? Eh bien, c'est l'harmonie. L'harmonie, alors pourquoi ça me fait rire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'harmonie, c'est peut-être ça en fait. Quand on rigole, quand on est de bonne humeur, on est en harmonie avec soi-même. En fait, on n'a pas peur du jugement des autres, on n'a plus de peur, on est aligné, on est avec soi, on est en harmonie. L'alignement, l'harmonie, tout ça, c'est être dans cet moment et présent et vraiment en synchronicité. Et l'harmonie, pour moi, c'est vraiment ça. Et par exemple, le rire, c'est ça, quand on est heureux, on est dans ce moment de bonheur et on ne pense pas à autre chose. On est vraiment là-dedans. Donc, c'est voilà. Quand vous riez, vous êtes en harmonie. On dit toujours, ah oui, pour être en harmonie, il faut prier, il faut méditer pendant des heures et tout ça pour atteindre le nirvana, pour atteindre. Non, ça c'est des conneries. Rire et être joyeux, c'est être en harmonie. C'est ces moments, des fois on peut parler de grâce, d'harmonie, mais en fait l'harmonie elle est tout le temps dans votre vie, elle est présente, il suffit juste de le voir et d'être, de vous reconnecter à cet instant présent, à ce moment qui est là, juste là, les oiseaux qui chantent, la nature, le vent, les feuilles. Pour moi, la nature, c'est vraiment quelque chose qui me met tout de suite en harmonie. D'écouter la nature, d'être présent à cette nature, elle est là, en même temps, toujours la même, et en même temps, toujours différente. Ça change tout le temps, et ça permet de voir que la nature, elle est en harmonie. Même si nous, même s'il peut y avoir des problèmes, mais ça c'est pour la Terre, pour la Terre elle-même, on n'est pas vraiment un problème, elle est là depuis des millions d'années, elle sera là encore bien après nous, et elle est en harmonie, tout ça fonctionne. Donc se connecter à la Terre, c'est aussi se connecter à son harmonie, son alignement. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Eh bien, dites-moi si vous aussi, vous avez connu des moments d'harmonie comme ça, dans votre vie. Je vous dis merci, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne pour avoir la suite des autres lettres et des autres vidéos. Je vous dis, prenez bien soin de vous, à bientôt, au revoir.